Les démarches pour l'obtention d'un crédit du FAFSI, comment ça marche? Qui peut solliciter le FAFSI? Il y a les femmes et les groupements de femmes ivoiriennes, les femmes âgées de 21 ans ou plus, et les femmes ayant un projet d'activité génératrice de revenus ou les femmes voulant renforcer leur activité. Où se rendre pour bénéficier d'un prêt? Vous pouvez vous rendre dans les agences Unacopec, CI, la Compagnie africaine de crédit, les groupements d'épargne et soutien en Côte d'Ivoire et l'Ecocred Microfinance. Les montants des différents crédits alloués par le FAFSI. Il y a les crédits individuels, allant de 100 000 à 500 000 francs CFA. Les crédits de groupe, tels que le groupement de femmes et les ONG féminines, allant de 300 000 à 1 million de francs CFA. Voici un exemple de cas si vous souhaitez avoir un fonds du FAFSI. Je suis une restauratrice âgée de 25 ans. J'ai besoin d'un prêt pour développer mon activité. Je me rends alors à la COPEC. Je m'inscris gratuitement au FAFSI avec ma carte nationale d'identité. Je dépose mes dossiers pour examen. Je vais devoir fournir les pièces suivantes. La photocopie de la CNI, la demande manuscrite de crédit, le plan géographique de mon activité ou de mon domicile, et 4 photos d'identité. On me fixe un rendez-vous pour une formation. Je participe ainsi à une formation en comptabilité simplifiée. Puis après validation de ma formation, le FAFSI m'octroie un prêt. Je dispose alors d'un an pour rembourser ce prêt avec un taux de 0,8% par mois.